Allez, voilà parti pour cette cinquième épreuve, le prix Jacky de Manjou. Une course attelée pour apprenti la jockey et pour chevaux. Âgé de 53 000 mètres à parcourir avec un bon départ pour Darius Gel. On est bien parti également avec le numéro 9, Derby Speed. Alors que côté corde, nous avons Défi des Champs, dont Salus est en quatrième position avec Diamond Dash et un peu plus loin, Dracar du Lait. Alors que le numéro 3, Doppler, vient d'être disqualifié. Avec Derby Speed qui vient maintenant à la hauteur de Darius Giel, alors qu'on se montre fautif actuellement avec Défi des Champs. On laisse la troisième place ainsi avec numéro 7, Don Saluste, alors qu'on est en quatrième position avec Diamond Dash, alors qu'on est en quatrième, cinquième position côté corde avec Dracar du Relais, alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 6, Défi des Champs. Avec Derby Speed qui a l'avantage, en deuxième position le numéro 2 Darius Giel, alors qu'on est en troisième position avec Don Saluste. On vient ensuite avec Diamond Dash, alors qu'on fait un bon effort maintenant à l'extérieur avec Drexel, avec également dans son sillage Doudou de Bouer. On est un peu plus loin maintenant avec Dracar du Relais, accompagné encore à son extérieur par le numéro 8 Delriada, avec encore un peu plus loin nous avons Dream Master en compagnie de Dalton Desmoges. À cet instant du parcours, Derby Speed avec Drexel qui est à son extérieur, Darius Giel, le numéro 2 qui est en troisième position, alors qu'on est en quatrième position plutôt à l'extérieur avec le numéro 13 Doudou de Bouer, alors que l'on de la corde, nous avons Don Saluste et on fait un très bon effort maintenant à l'extérieur avec Diablo Léman. On se retrouve ainsi en 5e-6e position avec le numéro 8 d'Alriada. Ils sortent du tournant, il est issu de ce premier tour. Les premières places sont toujours occupées par Derby Speed avec Drexel, avec également sur une deuxième ligne côté corde et en troisième position Darius Giel. Alors qu'on continue sa progression à l'extérieur avec le numéro 14 Diablo Léman, avec Drexel qui accélère maintenant. Avec en deuxième position Derby Speed, en troisième position Diablo Léman. On se retrouve ainsi en quatrième position avec le numéro 13 Doudou de Bouer. Alors qu'on tente de venir à l'extérieur en troisième épaisseur avec Délice Angevin. Alors que long de la corde, nous avons le numéro 8 d'Alriada. Alors qu'on s'est montré fautif avec Darius Giel. Il reste moins de 1200 mètres à parcourir. On contrôle actuellement avec le numéro 6 Drexel, Derby Speed, le numéro 9 qui est toujours en deuxième position, alors qu'on patiente en troisième position avec le numéro 14 Diablo Léman. Le numéro 2 Darius Giel vient d'être disqualifié. Le poteau des derniers 1000 mètres, Drexel qui a l'avantage, quelque peu détaché maintenant du numéro 9 Derby Speed avec Diablo Léman, avec Délice Angevin qui tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur, qui emmène dans son sillage d'Alriada, alors qu'on fait un très bon effort maintenant à l'extérieur avec le favori Dream Master. On est encore un peu plus loin avec Duc de Gramont, avec également Don Saluste, accompagné par le numéro 4 Diamond Dash. Il reste 800 mètres à parcourir. Drexel qui a l'avantage avec Diablo Léman. On continue sa progression maintenant à l'extérieur avec Dream Master avec en quatrième position le numéro 13 Doudou de Bouer. Alors qu'on est en cinquième position maintenant avec Dalriada, avec Délice Angevin et encore un peu plus loin à l'extérieur Duc de Gramont devant Don Saluste alors qu'on cède complètement avec Derby Speed. Ils vont maintenant aborder le dernier tournant. Drexel qui a l'avantage. On vient à son extérieur avec Dream Master. Diablo Léman qui est relégué maintenant au troisième rang. Alors qu'on vient en quatrième position maintenant avec Doudou de Bouer et complètement à l'extérieur avec Délice Angevin. Il reste 200 mètres à parcourir avec Dream Master à la lutte avec maintenant côté corde Drexel avec également à l'extérieur Délice Angevin qui finit depuis Doudou de Bouer qui finit de plus en plus vite alors qu'on va être disqualifié avec Délice Angevin. C'est Doudou de Bouer maintenant qui prend l'avantage et qui va s'imposer dans ce prix Jacky de Manjou. Et la deuxième place reviendra à Duc de Gramont et tout à la fin la troisième place reviendra à Diablo Léman aux dépens du numéro 15 Dream Master. Le numéro 12 Délice Angevin a été disqualifié dans la phase finale.